Tu veux acheter? J'ai des choses à vendre. La sublime Hera, divine mère, la très sage Athéna, le puissant Poséidon qui fait trembler le sol, la fervente Artémis, dont on dit la visée si juste qu'elle peut transpercer le cœur d'un colibri. Tous des cochons fardés. À moi! Au secours! Quelqu'un! Admire tes dieux. Tel le talon d'Achille, ses faiblesses les perdront. Tu n'es pour rien dans tout cela. Tu es une victime. Où est mon frère ? Le monteur ? Pourquoi en voudrais-je sur le trône de l'Olympe ? Je devrais te remercier d'avoir révélé la vérité, petit. Où est-il ? À sa place. Pétrifié comme tous les autres. Toi, en revanche, tu n'as pas encore commis d'erreur. Tu as rendu leur essence aux dieux. Tu as éliminé bêtes et monstres. Tu as prouvé ta valeur. Qui sait, tu es peut-être mon champion. Je ne tuerai pas les dieux pour toi. Dommage. Ce doit être au contraire à ta nature. Tu l'es à moitié. Ceci explique cela. Non. Assez discuté. Il est temps d'accomplir la prophétie. Tu ne sais pas comment manier ton pouvoir, pauvre idiot! Ah!
l'âme de Phoenix eut raison de Typhon. Yes! Bien joué, Phoenix! Allez, high five, Prométhée! Ou pas, c'est pas grave. Hélas, nous n'avons pu créer l'avenir idéal ensemble. Mais je ne t'en tiens pas rancune, car en cela, tu n'as pas failli. Tu mérites de savoir ce que j'ai toujours su. Et dans un dernier souffle, il dévoila la vérité. Hermès est ton père. Quoi ? Phoenix est un demi-dieu ? Mon père ? Hermès ? Impatient de parler à Hermès et de voir son frère réhabilité malgré ses méfaits, Phoenix se mit à escalader l'abîme. S'il rejoignait la surface assez vite, il pourrait voir chacun reprendre vie. Bon, j'ai perdu mon pari. Belle victoire, Prométhée. Mais il y a quand même 2-3 incohérences, et pas des petites. Pan, lui aussi, est le fils d'Hermès. En effet. Il a des sabots. Phoenix n'a pas de sabots. Tu as raison. Franchement, je ne comprends rien au plan de Typhon avec la potion déicide, qu'il n'a même pas utilisée, d'ailleurs. Et puis dis donc, je te signale que Phoenix ne risque pas de voir les mortels reprendre vie. Parce que c'est bien toi qui les a pétrifiés. Voilà. On s'est disputé, toi et moi, à ce sujet, avant que j'aille à cette fête, aux enfers. Les choses commencent à se mettre en place. Qu'est-ce que tu as fait, Prométhée ? Réponds. Tu n'as pas voulu entendre raison. Alors j'ai fait bouger les choses. Et la tempête qui a frappé le navire de Phoenix ? Mon œuvre. Enfin, celle de mon frère Atlas. Attends, comment tu dis que Typhon a été libéré ? Je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi l'œuvre d'Atlas. Et cette histoire ? Elle est presque vraie, jusqu'à la fin. Et elle a joué son rôle, te maintenir ici, avec moi. Typhon ne t'a pas volé tes pouvoirs de prophète. Ils n'ont jamais été aussi bons, et ils surpassent de loin ta mémoire. Je t'ai averti, mais tu as comme d'habitude fait la sourde oreille. Si une nymphe devait être enceinte de tes œuvres... Tétis. Cet enfant, l'aîné de Tétis et de Zeus, marquerait ta fin. Mais Phoenix était mortel. Il a été blessé. Et non. Ça, je l'ai inventé. Malgré la chaleur extrême, Phoenix poursuivit sa tâche et plongea le marteau d'Héphaïstos au cœur du feu. Il n'y a pas un seul mortel capable de manier ce marteau. Allez, c'est fini. Phoenix est en cendres. Je suis le seul à pouvoir résister à ces éclairs. Non, c'est pas possible. Le père de ta lignée n'est pas le père des tiens. Aîné de Tétis, père renversé, âme héroïque élevée, il est temps pour toi de rentrer. Hermès n'est pas le père de Phoenix. Phoenix est ma... mon fils! Zeus! Tu as transformé les mortels en statues? Toi seul? Oui, c'est moi. Alors, Typhon a dit la vérité? Pourquoi? J'ai façonné à partir du fer le cinquième âge de l'humanité. J'ai donné vie aux hommes. Des générations ont passé, et j'ai vu les souffrances infligées avec insouciance, la cruauté, l'égoïsme décadent, et ça n'a fait qu'empirer. J'ai vu les mortels comme un échec, alors j'y ai mis fin. Je sais que c'était une erreur.
Mais qui suis-je pour juger l'imperfection? Si j'ai appris une chose en te voyant sauver mes enfants, c'est qu'ils étaient imparfaits. Les mortels sont comme les dieux, et en réalité, je suis pire. Vous vous porterez tous mieux sans moi. Oh. Oui! Il est temps que s'accomplisse la prophétie. Je suis fier de toi. Promets-moi que tu seras un meilleur chef, mais surtout, un meilleur père. Je sais que tu n'es pas parfait. Mais tu es mon père, et c'est cela qui compte. Tu ne vas pas me tuer ? Quoi ? Tu as cru que tu t'en tirerais aussi facilement ? Reconnaître ton erreur n'est que le premier pas. Désormais, pour citer Arès, il t'appartiendra de faire mieux. Ce qui réclame 5, voire 6 étapes. Je dirais plutôt 12. La vie n'est pas un escalier ni une course de charité. Soit on réussit du premier coup, soit on échoue. Et voilà, il est toujours vivant. Il semblerait que je t'ai surestimé, petit. Il n'y a pas de deuxième chance. Typhon, arrête! Oh! Bon voyage, trésor! Jamais arrivé. Le poison de l'Olympe nous a renforcés, mes enfants et moi. Phénix, fils de Zeus et de Tétis, tu es peut-être divin, mais nous sommes devenus des tueurs de dieux.